Bonjour Humain, nous voici en Atlantique Sud, au large de Rio de Janeiro. On a réussi à passer tant bien que mal le poteau noir. Le poteau noir, c'est la zone de convergence intertropicale. C'est là où il y a les phénomène météo de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud qui se rencontrent. Donc ça met un peu le bazar pour la météo, ça fait des grains, des nuages, des conditions assez instables. On peut y passer pas mal de temps dedans, à s'en dépatouiller. Mais voilà, c'est une bonne chose de faite. Et puis juste un peu après, c'est l'équateur, c'est la ligne symbolique de l'équateur. Donc voilà, maintenant on a la tête à l'envers, en hémisphère sud. Donc, toujours des moments assez sympas à vivre. Voilà, c'est signe de... On va passer beaucoup de temps en hémisphère sud, plus de temps en hémisphère sud qu'en hémisphère nord, ça c'est sûr. Maintenant, c'est signe que la route s'ouvre vers les dépressions, vers le froid, vers le vent, vers les vitesses élevées. En attendant, on doit quand même contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Voilà, chez nous, on connaît notre anticyclone des Açores qui nous donne des belles conditions en Europe. Et ici, leur anticyclone, c'est l'anticyclone de Sainte-Hélène. Donc j'ai eu quelques petits soucis mineurs pour l'instant, qui ont été réparés à chaque fois. Tout ça, ça a été réparé avec l'aide de l'équipe à terre, l'équipe qui me surveille H24 en permanence. Et la deuxième grosse équipe, c'est l'équipe météo, l'équipe routage, avec qui on travaille sur le fait de faire les plus belles trajectoires, de voir ce qui se passe. De voir ce qui se passe en cellule au niveau de la météo, d'essayer de comprendre un peu les phénomènes, ce que nous on a, ce qu'on aura dans les prochains jours, ce que nos concurrents, nos copains concurrents ont aussi, savoir s'il y a des possibilités de rattraper, s'ils vont creuser. Donc voilà, c'est des discussions en permanence. Discussion avec eux en permanence, on s'échange des modèles, des fichiers, et voilà, donc c'est quelque chose d'hyper intéressant.